restaurant présente une épopée olympique de John Turtletaub. En un mot, classicisme. Ah oui. Absolument. Le film commence tout de même sur un alexandrin. Balanceman, cadenceman, traceman, c'est le pushcarte. Effectivement, c'est... C'est sûr, hein, les mystiches, oui. Où en étais-je? Ah oui. Nous avons donc Beris et Irving Witzer qui recrutent Sonka, Junior et Yul Brynner, sorte de figure prolétarienne à l'homo-érotisme latent. Et constituent ainsi la première équipe de luge de Jamaïque. C'est aussi un film très émouvant, qui dépeint à merveille une virilité désuète, comme dans cette tirade à la fin du premier acte. Ce n'est pas qu'on se casse la gueule en bobsleigh, on se l'éclate. Les Russes entrent sur la patinoire par un trou dans le mur. Je ne veux pas supputer. Je t'en prie. Oui, mais... Supputes. Ça va paraître présomptueux. Présume. Une porte. Mais c'est ce qu'un œil non averti pourrait y voir, effectivement. Mais n'oublions pas que nous sommes en 88. Et c'est bien le mur de Berlin suggéré qui s'écroule, poussé par les forces vives d'une jeunesse russe tumultueuse qui veut sortir, qui veut en découdre, qui veut jouer au hockey. Et à partir de là, j'imagine que c'est le chou jusqu'à la victoire finale. À continuer. Yon Turtletaub, le réalisateur, dénonce à nouveau l'imposture du verbe. Ou le verbe dans l'imposture. Oui. Dans la ritournelle du dialogue, Sanka, t'es mort. Ce à quoi l'intéressé répond à plusieurs reprises. Oui, man. On dirait du Beckett. Un pamphlet salvateur. Nécessaire. Banane. Non, ça va, merci. Grâce à Rasta Rocket, on sait qu'il fait chaud en Jamaïque et froid au Canada. Merci John Turtletaub. Merci.